J'étais second en muret à la corde. Je pense que si j'avais l'ouverture, elle serait venue s'imposer. Non, c'est une très bonne jument. Mais maintenant, avec le numéro seconde ligne, il faudra voir quel numéro. Si on n'a pas trop, un numéro 3 en dehors et qu'on n'est pas trop loin de la tête pour finir, on sera pas mal, quoi. C'est une jument régulière qui manque un petit peu de maturité pour Vincent pour tout de suite. Donc son entraîneur a fait un break. Là, c'est vraiment une rentrée, hein, donc il faudra la regarder courir. Mais le meeting n'est pas tout à fait fini. À mon avis, s'il veut préparer la fin de meeting ou début d'enghien. Mais je pense qu'à Vincennes, là, faut être prêt et je pense qu'elle va manquer d'une course. Ça ne le dérange pas vraiment. Je pense que c'est vraiment sa course. Il cherche sa course dans le meeting. Lui, on peut bien le retenir à haute position, quoi. C'est dans mes bonnes chances et c'est la meilleure, je pense. Ouais. C'est pas moi qui l'ai mené les dernières fois. Là, Madame Schill m'a appelé. Dominique doit en avoir un. De ce que j'ai vu, elle reste sur 2-3 distancées. Mais avant, c'était bien. Maintenant, je ne sais pas. Je vais la redécouvrir. Je ne sais pas à quel point elle en est. J'ai eu Flavien, donc il s'est loupé en province. Il m'a dit que c'était un cheval qu'il appréciait beaucoup. Maintenant, peut-être pas assez mieux pour faire Vincennes. Mais bon, faute de mettre des bons et aller en province, il va essayer de sauver une petite place à Paris, quoi. Ça sera petite piste, c'est dans les dernières courses. Ouais, non, mais je pense qu'on peut l'écarter pour les premières places, quoi. D'accord.